Allez, allez, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Connectez-vous, oh, connectez-vous. Oh. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Connectez-vous, c'est chaud. Allez, allez, c'est chaud. C'est chaud bouillant au feu. C'est chaud bouillant au feu. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous aussi la Château Rouge. Château Rouge, Château Rouge, Château Rouge. Connectez-vous, je mets la lumière. Partagez, je mets la lumière. Partagez. Partagez, je mets la lumière. Partagez sur Château Rouge, partagez. Oh, venez, oh. Partagez, partagez. On partage, on partage, on partage. On partage. Donnez-moi le sifflet, on partage. On partage, on partage. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je suis dans le noir, mais c'est ça, peut-être le soir. Partagez, maman. Partagez le direct. Bédan Chic Saumon, le premier. On partage, les gars. On partage, les gars. C'est la nouvelle page de la MAFO. Connectez-vous, partagez, abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés ne vont pas commenter. Hey! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, Flore, Dieu a fait ton palabre. La justice divine existe. Partagez-o! Maman, c'est comment? Tu n'arrives pas à pointer. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Oh, bam, bam, bam. Les larmes vont couler. Eh, bam, bam, bam. Les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jeu de résultat, les larmes vont couler. Eh, bam, bam, bam. Les larmes vont couler. Maman, il y a piment et piment. Le jeu de résultat, les larmes vont couler. Combien d'années après, la vérité vient sortir, maman? Eh, Seigneur, tu es juste. Quand tu as un cœur clair, ta vie est claire. Maman, hey, les mêmes gens qui voulaient descendre la MAFO, voilà que Dieu a fait palabre. Maman, en plein télé manioc, en plein télé mbrakata, après, en plein télé des noyaux, voilà les amis. Voilà les amis. Pourquoi mes ex-parents ont fui la fille garçon là? Hein? Elle est repartie s'allier là-bas pour me combattre. Ramasser la présidente des ténébreux pour me combattre, tout ça là. Vous avez vu ce que c'est que mettre la vie de quelqu'un en plein télévision? La famille, Seigneur, nous tous, hein? Mieux être une tuquine que de se faire attacher, maman. C'est nous qui attachons. Je préfère attacher que c'est moi qui attache la domination de ça. La domination de ça. Maman, dans les nous aussi, aime le fantasme. Hé, ma fona plagali, plante tapé. Maman, attache-moi. Série, attache-moi. Maman, que quoi? C'est la meilleure copine là pour me combattre. Il faut voir quand je suis partie. Après l'Olympia, je suis partie chez la doyenne. Avec ma copine. Il faut voir comment ils étaient assis là pour nous narguer. Pour dire comment les vraies blogueuses. Je voulais répondre. Mais j'ai dit que j'ai respecté mon expert. Ce gars qui travaille à la télé, le garçon l'était d'abord, le frère de mes ex-parents, le gars de la télé là, le gars Congo, ça, télé Congo, ça, il faut écrire au directeur, écrivez au directeur de la télé là, c'est une chaîne ça, une chaîne que tu cherches au cap, c'est numéro combien, dites-moi, cherche, c'est numéro combien, numéro 3000, qui va aller zapper jusqu'à... Ma télé dépasse ça. Oh yeah. Ma télé.
La télé de la reine mère de Ma, faut partager, non, c'est comment, c'est une nouvelle page. Une nouvelle page, partagez le direct. Ma télé que j'ai, ça dépasse leur télé là. C'est une télé ça. Une télé que tu cherches sur le cas, ce numéro 3, 3500. Qui va zapper la télé jusqu'à 3500? Que je manque quoi faire? Les vraies chaînes de télé, à partir de 500 même, 400, les 700 comme les Nollywood là, c'est 750 sur le câble. La chaîne là est numéro 3000, numéro 4000 même. Les dernières chaînes qui ne payent pas les impôts en France. Ils viennent nous raconter quoi? Il faut voir comment ils sont allés là-bas avec les arrache-clous. Ils sont allés là-bas se vanter sur une chaîne de télé. Moi, on me paye pour qu'ils passent à la télé. Mon Facebook dépasse la chaîne là. Eux tous, ils regardent ici là. Qui regarde encore la télé, mes gens? Qui regarde la télé? En dehors de la mafo, qui regarde la télé encore? La seule unique télé, c'est Facebook. Il n'y a pas deux. Ou bien c'est le debout debout. Mon grand, c'est devenu plat. Maman, Dieu est grand. Voilà la vérité. L'acteur principal du film a parlé où? À la télé. À la télé. Je ne l'en veux pas à lui. C'est la présentatrice là. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de venir à une chaîne de télé détailler la vie intime d'une personne? La vie intime. Toi, tu es quoi? Chicken tree XL qu'on a attaché, pissé même dans la bouche. Je connais les gars qui sont commodes avec toi, mais je ne veux même pas parler. Vous êtes passé à la télé l'autre jour. Tu as tout poussé la présence des ténébreux de parler de moi. Je n'ai jamais publié cette fille. Voilà le concerné qui est sorti aujourd'hui, qui a parlé, qui a donné les détails. Parce qu'avant, les gens doutaient. Quand je parlais, les gens doutaient même encore. Mes chers et sœurs, je n'ai jamais vu la vidéo. J'ai écouté. J'ai écouté la vidéo. Je n'ai jamais vu. J'ai écouté la vidéo. Une très longue vidéo. Attache-moi. Pince-moi. Attache-moi. Attache-moi. Tire-moi pour... comme une chèvre. Attache-moi. Tire-moi comme une chèvre. Attendez. Attendez. Attache-moi. Tire-moi comme une chèvre. Je suis ton mouton. Maman, les gens qui font la grande gueule sur Facebook, regardez le fantasme. Je peux vous donner mon fantasme. Maman, la vidéo là, je vous avais parlé de ça à l'époque, non? Attache-moi comme une chèvre. Et même moi, le quoi? Il y a l'autre injection. Il y a aussi les injections. Regardez ce qu'un homme vient dire. Vraiment. Est-ce que vous pouvez même comprendre que cette personne aujourd'hui a sa vie? C'est quel genre de chaîne de télé qui parle de la vie privée des gens à ce point, de l'intimité? De l'intimité des gens. Si on entre dans ton intimité, tu seras contente? Hein? Tout ça pour le buzz. Regardez-moi la chaîne de télé que la dernière fois, ils sont allés faire le Congo ça que tout le monde passera là-bas. Sauf moi. Vous avez qui rêve de passer dans les trucs des haineux comme ça. Hein? C'est une chaîne de télé, ça. Moi, je suis passé à CNN. Hein? C'est vraiment pathétique. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? De faire passer un homme pour descendre une autre femme à ce point, quand on s'engueule sur Facebook, c'est entre nous, on s'insulte. Même des fois, on vient dire des choses, il y a des doutes. Hein? J'avais parlé de ça, mais moi, je ne croyais pas. Hein? Parce que la femme qui avait la vidéo m'avait expliqué tout ce qui se passait dans la vidéo. Mais moi, je n'ai jamais vu. J'ai parlé seulement selon ce qu'on m'avait dit. Ce n'est pas que j'avais vu la vidéo, non. Mais la vidéo est une très longue vidéo. Toi, tu viens là, tu pousses le gars à détailler. Mais il n'a pas fini de les détails, putain. Hein? Est-ce que tu as même pensé que cette fille est passée à ta chaîne, que c'est ta copine? C'est quel genre d'amitié, ça? Hein? Est-ce que tu as même pensé qu'elle est ton amie? La dernière fois, tu m'as appelé pour me poser la question que pourquoi moi, je te déteste, pourquoi moi, j'étais souvent publié. Tu as dit que non, plusieurs fois, tu amènes tes gens à la télé, là, tu parles que de moi. Il faut toujours que ça tourne sur moi pour me descendre. Et je n'accepte pas. C'est pour ça aussi que j'avais dit ce qui te choque. Hein? Nous ne sommes pas des amis. Moi, je ne cherche pas l'amitié. Je suis désolée. Je suis bien comme ça. Une place. Hmm? Ce n'est pas l'autre jour que cette fille est passée là-bas. Et même si c'était vrai, tu vas venir parler à la télé. C'est une télé. Ça, c'est quel genre de télé qu'on ne censure pas. Hein? C'est quel genre de chaîne de télé qu'on ne censure pas. C'est bon à moi. En même temps, ça me fait pitié.
C'est bon à moi parce que la vérité est sortie. En même temps, ça me fait pitié, ça me fait de la... Désolée. C'est une mère et grand-mère qui a sa famille. Moi, ça me fait du bien parce que le gars a tout balancé. Parce qu'aujourd'hui, on doit comprendre que parfois, tu n'es plus avec un homme. Il balance tes choses pour qu'on mette dehors. Mais c'est pathétique, c'est honteux. C'est un grand frère que je respecte, qui m'a souvent sissé. C'est pour ça que je le fuis, tu vois. Mais c'est quelqu'un que je respecte. Hein? Tu ne viens pas à la chaîne de télé, c'est un blogueur. Est-ce qu'il est blogueur? Il est passé par rapport à quoi? Il est qui dans la diaspora? Il est qui? Dans cette diaspora? Hein? Donc vous n'avez rien à parler? Hein? Ça c'est quoi ça? Et puis il y a les gens qui vont rire de ça. Vous imaginez si c'était un membre de votre famille, votre soeur, votre tante, votre épouse. Est-ce que vous pensez au monsieur qui vit avec? Hein? Est-ce que vous avez un seul instant pensé que cette fille quand même, elle vit en couple avec quelqu'un? Hein? C'est l'image quand même de la femme. Parce qu'on dirait que moi j'ai saboté l'image de la femme. Tout le monde a un fantasme. Mon fantasme, c'est de me faire embarquer dans un bar. C'est tout. Voilà mon fantasme là-bas. De me faire embarquer. Hein? Mon fantasme, c'est de me faire embarquer dans un bar, mon frère. C'est ça. Oh, mais je me fais embarquer, on va aux toilettes. C'est mon fantasme là-bas. Chacun ses fantasmes, chacun ses délits. Hein? Il y a des moments, il peut dire à mon gars, porte une perruque. Ça arrive. Comme une qu'on avait vue. Si on commence à détailler tout ce qui se passe dans la chambre, vous allez rire jusqu'à... Il y a un autre qu'on avait vu. Il avait porté les sabots et la perruque, maman. Tout ça, c'était le fantôme de Sanga. Tu dis ce que tu dis, la couleur de la corde. C'est toi qui as donné la vidéo là à ta femme. Alors, tu vois, vraiment, vous les hommes, vous avez des sales vies. Les personnes qui ont même... Je ne veux pas entrer dedans, maman. Mais c'est honteux, c'est pathétique. Hein? Laissons à côté que ces gens se sont réunis dans le noir pour vouloir parler de ma vie privée. Comme si c'était vrai. Vous voyez ce que ça fait? De vouloir parler de la vie intime de quelqu'un. Oui, elle se fait gnasse comme ça. Elle aime qu'on fait ceci, mais c'est pathétique. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas du tout normal. Et imaginez un peu, nous tous, on a les ex. Imaginez, on appelle le boxeur. On dit au boxeur, okay, viens passer à la télé. Tu nous dis alors comment ça se passait entre Mafo et toi. Hein? Est-ce que alors... Avec ça, la cuisine en même temps. Hein? Est-ce que c'est bien? Ce genre de attitude. Ce n'est pas normal, putain. Ce n'est pas normal du tout. Hein? Comment tu peux faire passer un homme à la télé? Si on te fait passer sur ton ex, ou bien ta ex là, celle qui tournait à Paris, à l'époque, vous avez essayé de... Hein? Le aide-moi à détester, c'est d'abord son ami depuis quand? Parce qu'on se dit bonjour à la diaspora, vous savez qu'on a mis. Vous faites tout ça parce que vous voulez vous réunir pour descendre une seule personne. Alors, toi qui dirais qu'elle est ton ami, tu l'as donc protégée? C'est toi qui pousses le gars à parler. La dernière fois, c'est toi qui as encore poussé à dire que moi, je l'ai... Tu vois un peu comment vous êtes manipulateur? Voilà ça qui est sorti. J'ai toujours dit que quand une vidéo comme ça sort, il faut regarder la personne. Hein? Hein? J'ai toujours dit que quand un truc sort comme ça, il faut regarder. Il faut voir que tu as gnasse avec qui? Moi, ce sont les choses que... Mais attends, ça, c'est du hard. Moi, je savais que c'était du hard. Regardez un homme comme ça, même parler, c'est toujours un fantasme. Hein? C'est quoi? C'est du hard. Mais prends les blanches, tu fais ça. Hein? Vous voyez, depuis des années, ces gens-là essaient de me descendre. Vous voyez, en pleine télévision, on vient dire comment on attache une femme avant de la gnasse. On attache, on pisse sur elle. Il reste à savoir si elle ne prend pas autre chose. Mais est-ce que c'est normal, ça s'est passé dans une chambre? C'est quel genre de confirmation ça? Hein?
confirmes que tu confirmes quoi? Tu confirmes quoi comme ça? Hein? Même toi, l'homme là, tu l'aimes toujours? Tu l'aimes toujours? Elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Pourquoi chercher? Pourquoi faire ça? Pour quelle raison? Est-ce que tu penses que tu avais vraiment besoin de la descendre comme ça? À ce point? Hein? Tu avais besoin de la descendre comme ça? Hein? Non, vraiment sans hypocrisie. Parce que je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas là-dedans. Je n'ai jamais voulu du mal à cette fille. Jamais. Parce que je ne la connais pas, ce n'est pas mon amie. Et même ceux que je tiens de mes amis. Hein? Tu n'as jamais voulu du mal. Pourquoi je vais la vouloir du mal? Pourquoi je vais parler avec elle alors que derrière je manigance les choses? Même quand elle, moi, elle a commencé à parler, elle a compris que je ne suis pas en train de parler le genre que je calcule, je ne suis pas calculateur. Ou bien je ne prévenais pas. J'ai vu sa petite soeur aller s'allier pour me descendre. Sa petite soeur, ce n'est pas elle, c'est vrai. Quoi, ça coupe? Mais c'est pas possible. J'ai vu la petite soeur de S.I.A.M. soeur se retourner contre moi. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Cette fille, cette petite soeur que j'ai vue une seule fois, j'ai bien salué. Il a fallu que les gens organisent pour me descendre. Elle s'est alliée à eux jusqu'à ce que ce sont ses tatas, ce sont ses amis. J'ai trouvé que dans la vie, on ne fait pas certaines choses. Voilà que pour vous vient entrer comme ça en plein visage partout. Comment on ne va pas parler? On va faire un direct sur ça. On va faire un direct spécial dessus. L'arroseur arrosé. Quand ils sont passés à la télé, ils ont fait le Congo ça sur moi. Comment je ne vais jamais passer là-bas? C'est une télé ça. Une présentatrice TV. Qui passe sa vie à manigancer sur les gens, à raconter des choses sur les gens. C'est une télé. Pour moi, ce n'est pas une télé. Pour moi, c'est une chaîne Bracata, c'est tout. Ce n'est pas une télé. Hein? Pendant que vous organisez comment vous allez me faire du mal, voilà. Comment? J'ai dit que, moi, je dis tout que si je fais du mal à quelqu'un, c'est Dieu seul qui va me punir. Hein? Pendant que vous organisez comment vous allez me faire du mal, comment vous allez venir me taper, comment ça va. J'avais mis mon adresse de test de VIH avec mon adresse dessus. Vous attendez quoi pour venir me taper? Regardez un peu quelle humiliation pour la femme. Mais ça, c'est de l'humiliation. Qu'est-ce que nous, on ne fait pas dans nos maisons? Pourquoi c'est ce que les gens font? Mais est-ce qu'on vient pourtant en parler? Vous connaissez ce que les gens font dans les quatre murs? Vous connaissez comment les gens font? C'est que les fantasmes des gens? Vous connaissez les hommes qui se lèvent comme ça, ils vont... Hein? Une télé avec les histoires du quartier. Une télé qui parle au faux français. Même mon français dépasse le français de la télé là. Une télé qui parle au quartier, mon frère. Ce que j'ai dit, moi, je peux être animatrice TV. Le seul buzz qu'il y aura, c'est si je passais dans cette télé. Le reste là, c'est le Mbrakata. C'est le buzz ça. Hein? C'est le buzz ça. Tu fais une émission télé, tu demandes l'intimité. Mais il fallait demander la position qu'ils prennent. Moi, il m'avait dans la chambre. C'est devant ou derrière. Hein? Tu as parlé de ta vie, de la pimenterie. Hein? Et ta vie du piment. Hein? Parce que vous passez votre temps à dire que les gens ont fait le waka. Et votre vie de la pimenterie, ouais, Kana. Oui, Ré. La main. Bonjour, c'est comment? Mamie a te dit merci pour ces cadeaux. Attends, je passe la main. Non. Et au moment où tu es. Où sont les mains? Il y a ma mère est couchée. Je suis rentrée même sans te dire au revoir. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire un terrible héros avec les obstacles jusqu'à. Le héros.
toujours mis Kabunyango. J'ai dit à la mère que tu l'as acheté les choses, non? Oui, à bientôt là. Merci. Pour le deuil. Ah, oh, le sel. Oh. Le sel a dépassé oh, Adama. Les obstacles de ça. Au Cameroun, je ne peux pas. J'arrive à enfant, je ne peux pas. C'est pour m'attacher la nourriture. Voilà. Kana. Pardon, il faut menacer le frigoriste là, hein. Il faut menacer le frigoriste là. Il a pris l'argent, il a fui. Le type là pour réparer le frigo à la maison. Il avait pris l'argent, il est tombé dans un brousse avec. Oui, bon, cherche à l'un technicien. Laisse les choses de Joseph. Oui, laisse, cherche à l'un technicien, s'il te plaît. Oui, cherche un technicien alors, pardon, parce que le frigo là, c'est un frigo qui coûte cher à la base. Cherche à l'un technicien. Hein? D'accord, père. Je te fais signe pour ton way là, que j'ai pris là. Attends, je vais d'abord demander un truc. Oh, mais là. Le sel. Mon Dieu, le sel a dépassé. Hé. Hey. Merde. Fais-moi d'inventer dans la vie des gens, hein. De s'asseoir et d'inventer pour rien. Je ne suis pas parfaite, mais il y a des choses que on n'accepte pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter qu'on fasse à autrui. Oui, il y a des choses que qu'il ne faut pas accepter. Tu ne peux pas être une personne que tu ne connais pas. Je vais te vouloir du mal parfois, quoi. Je te connais où? Vous allez pousser quelqu'un au suicide sur Facebook. M'aide. Tout ça, à l'époque, ils ont dit que j'ai proposé d'acheter. J'achète que tu veux regarder les vidéos. Je ne vais pas chercher là où on regarde. Hein? À l'époque, on dit que oui. Oh, que j'ai cherché à acheter la vidéo. J'achète la vidéo. Que voilà le propriétaire qui est venu parler. Tellement il a de ses fantasmes. Je vais laver les assiettes. Je lave les assiettes en faisant. Oui, attends, je cache. Cache-moi. Ça, c'est quoi ça? Comment tu peux confirmer ce genre de truc? Il faut laisser les gens dans la tête, dans le doute. Même si on dit qu'on a vu. Parce que c'est sûr que nous, on a vu. Non, moi, je n'avais jamais vu. Hein. C'est maintenant que le propriétaire a confirmé là que dit la vérité. Vous savez que dans le clash, hein, il n'avait jamais vu, mais il dit que j'ai vu. Oh, ah. J'avais dit ça, c'était le clash. J'ai dit que j'ai vu. J'ai cherché à voir ça. Bon, on m'a donné les rendez-vous que oh, tu vas d'abord dire que pardon, reste avec. La terre est sale. Abeille Pro Max. Oh, oh. Facebook, si, hein? Les gens parlent de la vie des gens. Moi, mais ma vie n'est pas claire. Mais je suis jamais venu inventer sur ma vie, maman. Je suis jamais venu dire que ma vie dépasse celle que ma vie est. Mais la mienne est mieux que celle des autres, papa. Hey! Adama. Si quelqu'un t'attachant comme ça, tu ne te relèves plus. Ou bien il y a l'anesthésie sur ça. Mais, n'est-ce pas, si on me parlait des femmes soumises, je peux être soumise, ça dépend. Tu peux dire à ton gars que même gifle-moi, je ne suis pas sur ça. Même gifle-moi, les pince-moi, les tétons, jamais. Moi, je suis sensible. Les gifle-moi, non. Même le gifle-moi, t'as pas encore le cucu que taper un peu, pas fort, hein.
pendant le mouvement, donner un peu les petites giflettes là. Ça encore, on peut. Ça même encore, oui. Mais attache-moi, maman. Tu es devenu. Ouais, c'est devenu le mieux de qu'on attache, maman. Tu l'achèves. C'est pour ça qu'on doit gnasser en attachant. Voilà, les amis. Mes ex-parents ne parlaient plus avec cette personne-là, avec ce gars-là. Parce qu'ils avaient dit que le gars-là est d'abord Congo, ça, jusqu'à. Hein? C'était le semblant. Ils se sont vus le jour qu'on a vu là. On était là-bas, c'était seulement le semblant pour montrer que sinon, qui demandait même à mon ex-sisto avait dit que le gars là, pour ça jusqu'à demain, que jamais, plus jamais. Voilà, quand on se rallie, c'est pas pour faire du mal. Ça, c'est pas ça, c'est pour rallier, c'est pour faire du mal. Il passe à la télé, pourquoi? Question. Il présente quel journal? Il a quelle société? Il fait quoi dans la vie? Hein? Il donne travail au Camerounais. À combien de Camerounais est-ce qu'il donne le travail? Parce que tu peux passer à la télé. Il a quelle société qui recrute les Camerounais? Donc il passe à la télé par rapport à quoi? Il est blogueur. Il est passé pour quoi? Vous vous êtes arrangé avant. Même si c'est que ça me. C'est bon à moi. C'est bon à moi parce que ça vient même du réalisateur, producteur de ce film, de la nièce. De la nièce codifiée. Les codes vont finir chez Foku, maman. Hé, hey, montrez-nous un peu comment on fait. Les codes de Foku, oh, papa Foku, tes codes. Tes codes, tu as le marron sur ça. Hé, hey, c'est quoi qu'un homme raconte comme ça sans jeûne. Que les codes ont fait quoi, Papouza? Hein, Papouza? Hein? Si j'étais une autre fille, c'est que la personne serait déjà passée par les Facebook. Je n'ai pas seulement voulu. Oui, oui, oui. Merde! Les secrets de ça. Maman, il y a ma part, mais pas la qualité là. Nous tous on a. J'ai. Mais pas le genre compté. Ouais, quand vous voyez quelqu'un parler, pour nous les filles de Facebook, on parle fort comme ça, hein. C'est pour cacher qui on est vraiment. Nous, les filles de Facebook, vous nous voyez parler fort comme ça, mais derrière tout ça, il faut voir nos vies. Nos vies, mania kama bobé. Hmm? Merde. Si on me dit qu'il n'y a pas le goût sur ça, il n'accepte pas. Maman sans coup naturel, non. Je pense que notre sang a été drogué par ce gars. Il y a plusieurs qualités de drogue. Il y a le ne pas. Il y a le ne pas. Il y a l'autre là qu'on fabrique là. Il y a le ne pas. Je suis sûr qu'il y avait le ne pas sur ça. Parce que normalement, debout, sans de pas. Tu peux passer. Hey! Oh, le ne pas de ça. Oh. Sans de pas, tu ne peux pas accepter. Et donc voilà le gars dans la vidéo qui ne fait que demander qu'il faut pisser. Tu as dit la partie là. Parce que moi j'ai écouté. Il va. Mmh, tu as déjà pissé. Ouais, l'humiliation de ça. Vraiment, certains excès. Si tous les ex venaient à la télé raconter ce qu'ils ont fait avec leur gars, c'est que c'est comment. Vous voyez comment la situation se retourne souvent? Comment ça peut faire que quelqu'un vient? Qu'est-ce qui prouve qu'il aimait? Que quelqu'un passe à la télé après combien d'années? Vous avez été ensemble, c'est fini. Pendant que tu es avec ton mec, quand ton mec t'énerve, tu rentres encore qui te gnasse. Tout ce que le gars avait dit ça. Même pendant ta relation actuelle, à un moment donné, tu rentres souvent. Le genre, quand l'autre t'énerve, tu rentres encore là-bas. Hein? Ce chantage de quoi qui t'a fait? Ce chantage de quoi? Que quelqu'un va te faire jusqu'à, tu vas passer toute ta vie à faire les va-et-vient. Et celui qui est là à la maison, avez-vous pensé à lui? Que tu peux faire certaines choses, il supporte. Mais quand c'est déjà public comme ça, ça fait mal. Et sa famille. Ton homme que tu as aujourd'hui.
et sa famille. Quand c'est comme ça, les gens vont dire que vous avez vu. C'est comme ça qu'une famille, quand vous voyez une belle famille, qu'il n'accepte pas une fille. Hein? Est-ce que vous avez pensé à sa famille? Il peut même t'accepter avec tout. Mais ça m'est vie. Ça m'est vie, voyons. Et c'est un homme qui t'aime. Et c'est ça qu'on dit qu'un Gimbala. C'est un homme qui t'aime, qui te respecte. On sait tous chez nous, les Bamileke, quand tu appelles quelqu'un papa, ce que ça veut dire. Quand tu appelles ton homme papa, c'est un signe de respect que vous ne pouvez pas imaginer. Hein? Il a des amis. Il a la famille. Parce que ça peut même se passer même dans une chambre. Peut-être que tu as eu même à lui dire, même à ton homme. Parce que quand tu racontes un homme, même si tu avais une vie comment, tu essaies de lui parler de certains nombres de choses. Imagine même si tu avais déjà dit à ton homme que ouais, papa, pendant que tu m'avais fait ceci, voilà, je suis rentré là-bas, dans les vapes, même dans le départ, tu dis même que non, il t'a seulement donné le départ. Et tu t'es retrouvé attaché. Ça là, tu vas dire que toi, tu ne veux pas t'attacher, non? Il t'a attaché, tu ne voulais pas. C'est tout. Moi, c'est que même dans le mbok, même dans la mbok, une fille noire ne peut pas accepter qu'on l'attache, maman. Si le roi t'attache, après il finit avec toi. Même dans la mbok. Jamais. Même dans la mbok, même dans le mbok, le mbok est là dehors. Quelle fille noire va accepter qu'on l'attache? Aucune. Dans le bordé, bordé, jamais. Jamais. Quand vous tournez toujours comme ça, quand je vois les gens dire qu'il faut mettre la vidéo existe dans les clés USB, dans le disque dur, dans le CD. Il y a ça dans un CD, il y a dans le disque, parce que quand la femme prend, c'était une clé USB. Il y a même les photos des autres gars sous ça, hein. Parce qu'on parle seulement de la présence des ténébreux. Hein? Il n'y a pas que ça. Non. Pas possible. C'est quoi ça? Une personne qui est star. Tu es star, voyons. Tu vas aller dans tous les directs. Tu entres là-bas, tu cherches quoi alors que tu es une star. Tu fais quoi dans tous les directs? Tu interviens quoi? Laisse tes travailleurs sans salaire aller intervenir dans certains directs. Tu es star, tu veux faire ton direct, tu lances le direct, tu passes ce que tu veux parler. C'est pas que dès qu'il y a un petit direct que tu pars, tu passes ton temps à fabriquer les gens pour rien. Tu passes ton temps à fabriquer les gens, à donner la visibilité aux gens. Tu passes dans tous les directs, c'est quoi ça? Vous croyez que une star, c'est comme ça? Une star ne peut pas être vulgaire. Tu passes dans tous les directs dans le noir, chercher quoi? Tu peux écouter, mais tu interviens quoi dans le noir? Hein? Et bah les alliances avec les chèvres pour Osangui. Hein? Les chèvres pour Osangui. Pour Osangui peut apporter quoi de bon? Rien du tout. Pour Osangui, c'est une chèvre, mais ça part de chèvrologue. Elle n'a pas encore. Et c'est sûr que pour Osangui, c'est pas attaché, mais qui a l'a vu? Personne. Donc on va confirmer pour Osangui. Osangui. Elle dit Osangui. Elle est fière. Elle est contente jusqu'à. Vous avez fait beaucoup pour la pétition. Elle a dit que tu as confirmé que tu m'as entendu au commissariat. Alors que c'était faux. Je n'ai jamais appelé, mais je n'ai pas encore oublié. Nous ne sommes qu'en début d'année. Hein? Oh, elle a appelé. Tu m'as vu appeler où? J'ai écouté le commissariat. Tu as écouté où? En France, quel commissariat écrit avec le BIC? Avec le big maman, j'ai laissé couler parce qu'on m'a dit que Flore, vous avez donc perdu tout le temps là. Ça, on fait quoi en fait? Ça a changé quoi de ma vie? Je suis allé au Cameroun, je suis revenu. Personne ne m'a jamais dit que oui, comme tu vois Flore de lit, tu es ceci. Tu dois donc comprendre que ce qui se passe dans la chambre, c'est dans la chambre. Même s'il y a eu quoi? Quelqu'un va venir là inventer, mais une personne qu'on n'a jamais vue avec. Inventer le fantasme de ça. Moi, je ne refuse pas, on peut fantasmer sur moi. Hein. Je ne refuse pas. Nous, on n'assume pas. Donc, après avoir parlé tout ça, on a donc assumé. Après avoir parlé tout ça, ça a changé quoi? Rien. Oh, tu es. Nous, voilà, on attache avec les cordes.
Les cordes. Maman. Hein? Tu te rends compte, vous avez donc compris que la personne qui te fait du mal ne vient pas de loin. Voilà ce qui est ton ami. Ta copine dit, tournez ça, vous mettez sur moi parce que vous connaissez. Vous allez partir faire les directs sur moi. Oh, elle a fait le direct, elle a dit que je dis, j'assume. Est-ce que c'est que je dis que je n'assume pas? Je dis. Je dis que voilà ta copine dit que tu es partie là-bas. Même votre histoire de télé là, c'est toujours pour se faire voir. Quand tu passes avant, on te donne combien? Tu as quoi? Ça t'apporte combien de contrats? C'est d'avoir une télé ça. Mieux passer même à la télé du pays parce qu'on te voit au pays. Qui va mettre son câble pour voir les pépettes, les télé pépettes là? C'est une chaîne de télé ça. Une personne qui prend la crème, on vend ça à Château Rouge. C'est qu'elle met au milieu là. On vend ça à 3 euros. N'importe quoi. Elle est passée, c'est sa soeur du village. Grosnez. L'a vendue. La première fois que tu es passé à la télé, c'est toujours Grosnez qui m'a envoyé. Je vous ai mis les captures d'écran que oui, on est passé là-bas, on a dit que tout ça tourne toujours autour de moi. À Chouka Ngongoli. Alors que ça s'est mal passé. Sa soeur Grosnez qui a dit qu'elle a travaillé les papiers. Pourquoi elle n'est pas venue parler le Grosnez? Tu ne vois pas qu'il y a le tribalisme dedans. Yam, yam. Tu vas ouvrir les yeux quand? C'est toi qui m'as enterré ta soeur Bamileke. Tu vas ouvrir les yeux quand? Voilà, son histoire, il sa soeur qu'elle a travaillé ses papiers, fuit avec ses 2000 euros. Est-ce qu'elle lui a répondu? Non. Elle a travaillé ses papiers, Grosnez, non? C'est pas Grosnez qui m'a dit? Est-ce que je vous ai pu voir ensemble? Je l'ai envoyé les captures des camps, voilà ce que Grosnez a dit. Quand tu es passé à la télé, n'avez même pas regardé. C'est pour ça que cette fois-ci, vous êtes passé à la télé, je n'ai pas répondu parce que je me suis dit que. Je peux parler de fond à un truc que je n'ai pas vu. Je n'ai pas eu le temps depuis que je suis. Depuis mon départ, États-Unis, revenir. Je n'ai pas moi eu le temps de m'asseoir, regarder les directs. Écouter pour reprendre tout ça. Moi, je suis occupée. Ça fait l'eau jusqu'à. Vous rendez compte? Vous rendez compte? Une personne qui est ton ami, son compagnon passe. C'est toi qui avais dit à son compagnon que vous avez fait comment? Mais c'est pas possible. C'est quel genre de télé? Hein? C'est quel genre de télé ça? Moi je n'ai jamais regardé cette chaîne. Me dit que partage, je n'ai jamais partagé ça sur mon mur. Une personne qui me déteste, même si c'est le pape qui passe là-bas, me dit partage, ne peut pas partager. Jamais de la vie. Parce qu'elle me déteste. Elle a la haine contre moi, pour rien. Parce qu'elle lui avait dit les vérités. Elle était une bonne mère. Elle était une bonne personne. Tout ça, les background et tout ça et compagnie, y a, reste une place. Tu n'as pas besoin de tout ça, te rallier tout le temps comme ça, te rallier, c'est quoi ça? Bon, ça ne veut pas, tu te rallies là-bas, tel pas, tu te rallies, que chaque stagiaire son mur, son couloir. C'est pas possible, tu es une star. Respecte-toi, tu peux me chercher quoi là-bas? C'est toi qui devais travailler là-bas, ils ont plus une Ivoirienne. Tu as oublié, et on va te dire que parce que les gens de Facebook ont parlé, parce qu'ils ont dit que tu n'as pas le niveau. Si tu n'as pas le niveau, pourquoi on t'invite? Ce n'est pas toi avant Emmanuel Keita qui devait travailler là-bas. Tu penses que c'est la présentatrice Bracatala, elle parle plus bien que toi. Elle était jalouse. Que si tu viens à sa télé, on la chasse, on te prend. C'est de ça qu'il s'agit. Tu crois qu'elle t'aime trop? Une personne, c'est toi qui étais prévu, même si nous on a combattu. Mais ça allait changer quoi si on veut te recruter? Emmanuel Keita, on ne dit pas quoi en Côte d'Ivoire sur elle. Qu'est-ce qu'on ne dit pas en Côte d'Ivoire sur Emmanuel Keita? Mais ça n'a pas empêché qu'elle soit chroniqueuse là-bas. On t'a banqué. On te prend, tu viens faire la guignole tout le temps. Dès qu'ils ont les petits problèmes avec les gens, on te prend, tu viens faire le guignol. Tu viens faire la guignole. C'est quoi ça? Normalement, le fait qu'on ne t'a pas recruté, tu ne devais plus jamais passer là-bas. Elle préfère passer, elle cherche les contrats en Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce qu'elle cherche les relations en Côte d'Ivoire. Elle voit que tu ne peux rien la porter. Tu ne peux être que sa guignole comme ça. Elle veut imiter les Ivoiriens pour faire les émissions. Mais est-ce que les Ivoiriens font comme ça alors? Hein? Elle voulait imiter.
Elle voulait imiter pour que l'autre fasse comme Peter 007. Que wow, ça a fait, que ça a fait la honte de ça. Au Cameroun, nous ne supportons pas encore. Hein. Peut-être en Côte d'Ivoire, on accepte. Au Cameroun, on n'accepte pas certaines choses. Hein. On n'accepte pas certaines choses au Cameroun. Voilà ça qui t'est arrivé. Demain, tu vas tout aller te rallier. Est-ce que tu réfléchis même? Hein? Tu veux me combattre? Combat-moi une place. Tu n'as pas besoin des alliés. Toi et moi, on n'a plus aucun combat à faire. Je ne te combats plus. Oui, je ne te combats plus depuis des années. Quand ta soeur prend le micro pour parler de moi, tu ne lui dis pas non, pourquoi tu parles d'elle? La dernière fois, quand j'avais parlé de l'autre. De la Hortense. J'ai donné les conseils à Hortense à ma manière. Mais ta petite soeur a lancé le direct pour dire comment. Oui, Flo a parlé bien, mais elle a quand même des. Mais c'est pas possible. Mais cette fille me veut quoi? Dis à ta petite soeur de ne plus parler de moi. Hein? C'est quoi? J'ai quel problème avec vous et votre famille? Aucun problème. Le dernier direct de cette fille qu'elle suivit, c'est quand elle disait que elle parlait autant de coco que machin, je vais parler. Mais elle a critiqué. Tu m'as déjà vu parler de toi un jour? De parler de ta façon de faire tes directs? Non. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Qu'est-ce que t'es fait? Rien. Tu t'es rallié à mon ex-ami. Jusqu'à ce que c'est devenu tes soeurs. Vous faites les directs, vous partagez vos directs. Mais vous alliez pour qui? Pour combattre qui flore de l'île. Oui, vous alliez pour combattre qui? Toujours pour me combattre. Hein? Tu as pensé que moi, j'avais fait la paix avec ta soeur? Tu as pensé à ça? Tu connais comment la guerre, c'est pas facile? Tu as pensé combien d'années j'ai fait la guerre avec ta soeur et tous les autres? Mais tu es venu tout détruire. Tu es venu tout détruire. Tu ne peux pas rester dans ton coin, être neutre dans l'histoire. Tu as dit que, oh, que Tatana, c'est ta soeur, c'est ta copine. Ta soeur depuis quand? Tu la connais où? Tu es entré dedans, pourquoi tu as pensé que, tu sais ce que c'est que faire la guerre avec une personne et puis faire la paix avec la personne? Tu sais ce que c'est? Hein? Tu sais ce que c'est? Mais tu n'as pas hésité. C'est ton sang. Tu n'as pas hésité à partager les directs dans le noir, à parler dedans. Vous m'aviez blessé. Vous m'aviez blessé, vous m'avez choqué. Hein? Tu sais comment je m'entendais déjà avec ta soeur? On parlait de tout et de rien. Oui? Sans avoir peur que telle peut m'enregistrer. Non! Il n'y avait pas besoin de ça. Mais est-ce que tu as pensé à ça? Non. Tu n'as pas pensé à ça parce que tu veux être sur Facebook. Qu'on partage ta page. Ta soeur peut te fabriquer. Elle a la visibilité. Tu as besoin d'aller te mettre les mains. Te mettre les mains sales, tremper les mains sales. Tu sais que cette fille et moi, on avait commencé comment? De quoi vous vous mêlez? Mais tu es entré dedans. Hein? Tu connais la relation que j'avais avec ta soeur? Hein? Mais c'est grave ça. Hein? Voici les gélules même que j'avais achetées. J'avais pris deux paquets de gélules. Mais est-ce que... Et de mentir, voici les gélules que j'avais même acheté. Voici les gélules. Attends, voici les gélules que j'avais acheté. Voici ça, j'avais pris deux paquets pour encourager. Voilà ça. Voilà les gélules même que j'ai acheté pour encourager. J'avais pris comme ça deux. J'ai pris, j'ai vu que ça n'a rien fait. J'ai laissé. Voilà encore un paquet plein. Voilà les gélules. L'homme noir est méchant. Tu te permets de te rallier parce qu'il faut que tu connais la relation que j'avais déjà avec ta soeur. Tu connais? Ça, c'est ce que moi j'ai acheté pour encourager. Deux paquets. Mais je n'avais pas besoin de venir parler sur Facebook et dire que j'ai fait ça depuis parce que nous sommes des blogueurs, j'ai acheté derrière. Je n'ai pas besoin de venir dire que j'ai acheté. Mais quand la fille, ça l'a collé.
commence à m'insulter. Vous voulez entrer dans ma vie privée? Je suis restée tranquille. Hein? Ah oui, je regarde le commissariat de Tampi. Comment tu sais? C'est ça que j'ai mis à la matinée. Hein? J'ai acheté pour encourager. Même les pains du mariage d'Edouard Bala, j'ai pris pour Foufou Koutelina. Je lui ai pris un pain, j'ai pris aussi un pain, j'ai payé ça chez elle. Est-ce que j'ai réclamé le pain même? Non. J'ai dit qu'on offre, je pensais aller au mariage. Bien sûr. Mais est-ce que je vais venir sur Facebook parler ça? Non. Vous ne connaissez pas les relations que les gens ont avec les gens. Donc il faut souvent arrêter. Non, c'est vrai. Quand j'ai vu la petite soeur de Lolo entrer dans les ténébreux, partager pour me descendre, j'ai dit que est-ce que cette fille pense à la paix qu'elle fait avec sa grande soeur? Non, elle n'a pas pensé. Mais ça s'est encouragé. Hein? Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Si c'était pour moi qui sortais, on sait que vous êtes en train de jubiler, faire les directs. Mais Dieu est Dieu. La justice divine existe. Courage à votre famille, parce que c'est dur. Envoyez-moi la vidéo, là, s'il vous plaît. Si vous avez découpé, envoyez-moi ça. Le monde entier va voir qui a mis ça dehors. Vous avez déjà trop... Vous avez déjà trop fait. Toi qui es intellectuel. Toi qui es la petite, c'est tu es intellectuel. J'ai même pas envie de prononcer ton nom. Parce que tu m'as tellement blessé. Non! Tu m'as tellement blessé. Tu faisais semblant au début comme si tu voulais arranger. Alors que tu étais derrière pour noyer. Qui m'appelle? Je suis en train de sortir. Il doit tourner le couscous. Il est 15h. Ouh là là, je vais prendre la route. Bisous, hein. C'est mon bon cœur qui me sauve, c'est vrai. Dieu est grand. Pardon, il faut copier la vidéo où le monsieur la parle. Vous m'envoyez. Parce que le monde entier doit voir qui a fait ça. Vraiment. Il faut copier cette partie. Bonne journée, hein. J'ai des trucs à faire. Non, c'est pas possible. Vous asseyez dans le noir, vous détaillez la vidéo, vous inventez des choses sur les gens. Vous inventez, vous appuyez comme c'était vrai. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous étiez là? On vous a dit, est-ce que vous étiez là? Il y a quelle preuve? Vous avez vécu ça? Non. Merde. Le coup d'état manqué, vous étiez dedans. A fait des réunions, voilà. Même sans faire réunion, voilà qu'on vous a mis au carrefour. Je vais lui dire de publier les abeilles qui l'appellent, l'écrivent inbox là. Oui, les abeilles là qui l'ont écrit, l'appelaient inbox là. Il faut m'envoyer ça, les abeilles là. Il faut me les envoyer, les blocs. Hmm?